Bonjour. Aujourd'hui, dans le club privé des parieurs gagnants, j'ai envoyé un pronostic en Irlande, First Division. OK, le match, c'est Drogheda United contre Bray. Comme pronostic, j'ai envoyé la victoire à domicile de Drogheda à une cote de 2. Pourquoi? Voici mon raisonnement. Première chose, je regarde les résultats de Drogheda à domicile. Les résultats de Drogheda à domicile sont ici. OK. Alors, je regarde la forme récente. La forme récente, pour moi, ce sont les deux derniers matchs à domicile. Je veux qu'ils soient gagnants. Or, ils sont gagnants et c'est même mieux vu que ce sont les trois derniers matchs qui sont gagnants pour Drogheda à domicile. Très bon point. Deuxième chose que je regarde pour Drogheda, c'est ses résultats contre des adversaires équivalents à l'opposant du jour. L'opposant du jour, c'est Bray, okay, qui est ici. Et donc, on voit que Drogheda a gagné à domicile tous ses matchs, sauf un ici, contre les équipes allant de la quatrième position à la dixième position. Donc c'est très bon, mis à part on va dire un faux pas ici, les résultats globalement sont très bons contre des équipes inférieures à Drogheda. Donc, encore un très bon signal. Ensuite, je regarde les résultats de Bray, l'opposant. Là aussi, je regarde d'abord sa forme récente à l'extérieur, les deux derniers matchs. Alors, idéalement, les deux derniers matchs doivent être perdants. Cependant, ce n'est pas une règle rigide. Il faut faire preuve de flexibilité, surtout dans ce cas-ci où on voit que les six derniers matchs sont perdants sauf un. Donc, allez, on va dire, mis à part l'avant-dernier match, la forme globale est très mauvaise et Bray est mauvais à l'extérieur. De plus, Bray, à l'extérieur, ses résultats sont dans cette colonne de droite. Si on regarde les résultats contre Drogheda, qui est troisième, qui se positionne ici, je vois que contre des opposants du top du classement, donc du premier au quatrième du classement, ben Bray a à chaque fois perdu à l'extérieur. Or, Drogheda est ici troisième, donc je peux espérer qu'il perde aussi contre Drogheda. Donc voilà, c'est un ensemble de signaux qui sont pour moi positifs pour une victoire à domicile de Drogheda. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je regarde la cote et la cote est en fait de 2 pour la victoire à domicile de Drogheda. Alors, vu toutes ces statistiques qui pour moi sont assez fortes pour la victoire à domicile, une cote de 2 est pour moi bonne. C'est pourquoi j'ai validé ce pronostic et je l'ai envoyé dans le club privé des parieurs gagnants. Voilà, c'était Philippe Bello, parieur pro et trader sur Betfair. À bientôt.